Hello, comment ça va? Donc, nous allons continuer avec complications et de factures. Et je dis, nous parlons en complication qui est assez embêtante, qui aurait les embolies graisseuses. Alors, généralité pour embolies graisseuses, hein, Jean Noël là. Son mari, son maladie, qui fait parce que bon, petit morceau graisse, et morceau graisse a sorti la moelle osseuse. Nous songez, ça m'a dit nous dernièrement, que moelle osseuse, c'est pas même gens, l'on regarde un zoo, et l'on prend le cuit. Okay? Donc, le plus souvent, l'on prend un zoo ça, l'on prend le cuit, c'est un zoo, on bête, pardon, on bête qui mourit. Et à ce moment-là, on a l'impression que moelle osseuse, son bagaille qui est mou. En fait, quand moelle osseuse, son bagaille qui est liquide et qui est formé en grande partie de graisse. Donc, graisse, ça, elle est absorbée par veine lorsque nous gagnons fracture. Et à ce moment-là, elle va monter dans le poumon. Elle va monter dans le poumon. On gagne, ça, les embolies graisseuses pulmonaire, mais l'ICA passer l'autre côté tout, l'ICA pas arriver simplement dans le poumon, l'ICA passer là dans le cerveau, là dans la peau, et la baille en plus ou embolie systémique pour nous parler ça plus tard. Ok? Donc, le graisse arrivé dans le poumon, hein, là, font équipe, là, une équipe processus de transformation qui fait que l'ICA vient bailler un paquet de petits caillots. Ok? Au niveau du poumon, en plus graisse ça que nous trouvons au niveau de zoa sont graisse qui très irritant. Donc l'arrivée dans le poumon, il peut provoquer un processus inflammatoire qui peut exagérer les petits problèmes que nous avons gagnés au point de vue de embol qui deviennent fixés dans les capillaires pulmonaires. Ok? En plus de ça, ou bien lipase pulmonaire qui peut venir réagir là-dedans. Et lipase pulmonaire, là, li antigène toxique pour poumon. Hein? Et ça peut augmenter encore le processus inflammatoire. Là. Si nous songez bien, processus inflammatoire, c'est un processus de défense qui est caractérisé par les quatre points cardinaux de l'inflammation. Par contre, si nous songez encore, côté où un paquet de sang a vini, ou bien douleur, ou pral gagner, tout bail ça. Donc, en fin de compte, c'est une cascade inflammatoire, j'ai dit la livre, qui pral venir, qui pral expliquer ça. Et en boligueuse, ou bien de chasse, soit ou effet net, ni le ça, ou pas gagner quel bail qui était, ou pas gagner séquelle, bien que y a noté quelquefois qu'il y a quelques petits problèmes au niveau. Monocagétique qui petit trouble neurologique qui était ou bien tout simplement si mon n'a pas guéri et ben il mourit. Donc qui ça provoquer justement embolie graisseuse ça, mais c'est pas deux trois bagailles qui provoquer embolie graisseuse ça, c'est le plus souvent, ils ont joigné lorsque c'est un zoo, ce qu'on appelle en français un os long, okay, qui est cassé. Et en particulier, ils ont joigné le zoo du membre inférieur. Ils n'ont pas réellement, ouais, ils ont pas réellement joigné ça pour le membre supérieur, ni pour les fractures de côte. Donc, folles sont un gros zoo et un zoo du membre inférieur. Ok? Alors, si mon a plusieurs fractures, tout, il a plus chance d'elle. S'il gagne des lésions viscérales, il y a aussi foie, rein, ou l'autre bagaille qui atteint. S'il en est état de choc hypovolémique, ok? Et fracture fermée qui gagne gros déplacement. Donc, toute bagaille ça, en gros, à bord, en embolie, c'est ça nous quimbe comme étiologie. Pour embolie graisseuse. Et qui genre physiopathologie, le mécanisme, Jean-Noël là, donc, ou bien embolisation, ça veut dire que c'est des morceaux de graisse qui sortent
et la fracture là. Et pour ça, il y a une petite explication où on paquet de veines qui entourent les os. OK? Et veines ça, les aspirer. Donc, on est que veines, c'est un processus d'aspiration qui permet de s'en passer. C'est cœur qui, le lap dilaté, lui produit une pression négative qui fait que au niveau des veines, on a un phénomène de succion, un phénomène d'aspiration. Tandis que au niveau de l'artère, bon, nous ouvrons un petit parenthèse, c'est surtout la pression sanguine qui est donnée par le cœur. Donc, veines ont pression négative qui fait qu'il n'y a pas aspiré sang. Donc, ils ont pensé que c'est au niveau des veines, en particulier les veines périosseuses, qu'on a un problème ça. Et l'ipral passé dans le poumon. Bon, dans le poumon, il y a qu'à expliquer parce que du moment que son veine, toute veine atterrit dans le poumon, la partie systémique, côté le cas vini, le cerveau, il n'y a pas qu'on fit trop comprendre par qui chemin le passé. À moins que un bol tellement petit que qu'a traversé et poumon et puis là le palvin le cerveau un phénomène qui vient donc il faut qu'on même il faut qu'on fin trop comprendre bagarre là mais il est plus facile pour niveau pulmonaire donc je ouais là nous avons cascade inflammatoire qui peut déclencher surtout lorsque cascade inflammatoire ça vient exagérer par la réaction pulmonaire pour la lipase pulmonaire. Donc, on peut avoir une libération d'acide gras qui n'est pas bon pour poumon. Ok, inflammation. Inflammation provoquée agrégation plaquettaire, agrégation leucocytaire. Ok, et tout ça. Ok, on peut avoir une augmentation perméabilité et capillaire. Donc, on connaît ce que ça fait. Ça bon œdème des tissus. Et en gros, donc, c'est donc l'inflammation. Et qui j'en s'appelle traduit? Traduction clinique. Qui j'en ai pas le vrai, qui sa malade a gagné, qui fait que nous arrivons là, nous qu'à penser justement que mon nom a fait une embolie pulmonaire. Parce que l'embolie pulmonaire, le diagnostic est essentiellement clinique. Pas qu'un examen qu'abdou. Oh, bon, mon ça a la fois embolie pulmonaire. Pareil, sa pièce. C'est la traduction clinique. C'est l'embolie pulmonaire. C'est simplement avec la clinique. Alors, suivant toute littérature, me font un petit résumé de traduction clinique parce que auteur n'est pas fin trop d'accord l'un avec l'autre. Des anciens qui te disent un bagage. Bon, en fait, quand, suivant l'expérience et puis suivant ça, me trouve, m'ka fait résumer ça pour traduction clinique. Premièrement, ou bien ça relève un intervalle libre. Ça veut dire que tout bagage en forme. Mon n'a pas senti rien, pas rien qui doux, mais la vini, rien. OK? Ensuite, ou parle d'un syndrome général, après qui ça gagne le syndrome général. Et puis, nous avons trois tableaux. Nous avons la forme typique, la forme fulminante, bien que, mettez forme fulminante là, bien que nous parlons que forme fulminante lui-même, il n'y a pas d'intervalle libre. OK? Et nous avons la forme trompeuse. La forme trompeuse, ou à penser à un autre bagaille, ou pas penser à un embolie graisseuse. Et ou bien les formes frustes, ou pas penser du tout que moun nan gon problème réellement. Allez, ouais, pour nous ta penser que moun sa gen un embolie graisseuse. Donc, pour un bagage, c'est intervalle libre. Il a arrivé de quelques heures à quelques jours, mais moyennement, c'est à peu près 24 heures, bien que quelquefois nous connaissons au niveau. Quelquefois, il prend une semaine pour l'établir. Et pour qui ça, il prend tout le temps ça? Bon, vous pensez que c'est réaction justement que poumon pral prend, poumon pral prend un certain temps avant de commencer à réagir avec graisse ça que le prend. Et c'est ça qui fait que nous avons intervalle libre. Cependant, j'en mettais là, si pas gain ou intervalle libre, j'en aurais la forme fulminante. Donc, si intervalle libre très bref, à ce moment-là, c'est un pronostic péjoratif. Ça veut dire que, bon, et mon appareil a un gros problème. Au début, qui ça nous a gagné au début? OK?
Gon paquet de signes, si ou pas penser en embolie pulmonaire là, si ça pas do rien. Donc moun nan gon la fièvre. OK. Di gon tachycardie, ce qui en fin de compte normal depuis moun nan gen la fièvre. Nous connaissons ça. Et c'est gon maladie tan kou tifoïde que l'homme moun nan gen la fièvre et puis cœur a pas suivre. Donc li gen la fièvre et puis tout ça qui accompagne la fièvre, ou pral gen tachycardie sinusale, OK? Ou ap gen polypnée avec cyanose, alors même pas remen le ap di polypnée avec cyanose, parce que si polypnée accompagné de cyanose, c'est pas un polypnée, nous avons plutôt parlé de tachypnée, parce que nous connaissons, par exemple, nous essoufflons, nous avons polypnée, c'est une augmentation ou ap augmenter respiration, ou la fréquence respiration pour l'augmenter, mais li bon, ok, ou bien réoxygéné, ça veut dire polypnée, tandis que si l'augmentation et respiration accompagnée de cyanose, ok, il t'a plus bon que yo les ça tachypnée, ok, et puis quand moun nan pa respire bien ou gen sin ça, ok, battement des ailes du nez, le tirage intercostal, ok, puis ou gen thrombopénie progressive, et ça c'est pour sin clinique. Kounya paraclinique, lo wè moun nan gon anémie, hein, chute de l'hématocrite, et puis ou konnen que ou fin opérer moun nan, ou pa gen ou pa wè côté la sanyen, OK, moun nan gon hypoxémie ko pa ka expliquer et que ou obligé bal oxygène, et puis avec des troubles de la vigilance, OK, c'est tout ça qui mis ensemble, je ne wè pas gagner de spécifique, mais c'est tout ça qui leur vient ensemble. À ce moment-là, ça t'a dû mettre nous la puce à l'oreille pour ne penser que Mouna a fait une embolie graisseuse. Alors, les différentes formes que nous va gagner là bas, ça, première forme là, il y a des autres qui les formes typiques, des autres qui les formes complètes, OK. Et là-dedans, on a une triade de supposé c'est good pour nous arriver, OK. Et ou gen trois syndromes, un syndrome respiratoire, un syndrome neuropsychique et un syndrome cutané ou muqueux. Ou gen l'autre moun, l'autre auteur qui li même syndrome général que nous te gen en phase début, hein? OK, li kon mette là-dedans. Donc gen yon pati gon l'école k'ap palo de la triade de Good, OK, et gon l'autre école k'ap palo de du fameux quadruple syndrome, OK, parce que yon mette là, avec les trois premiers, les trois syndromes respiratoires, neuropsychiques et cutanés ou muqueux, ils viennent ajouter partie que nous gagnons qui syndrome général. OK? Mais je ne vous parle pas, c'est pas tout le temps que ça va passer comme ça. Donc syndrome respiratoire, mon nan pas qu'à respirer bien, et puis d'abord c'est ça qui ka voye le jeter, OK, donc poumon atteint, mon nan gen détresse respiratoire, et poumon qui pas marcher bien fait que mon nan pas développer un cœur pulmonaire, tout bagaille ça, oh. Là on parle faire radiographie, li ka passer par 5 stades. Premier jour pas rien. Deuxième jour, on voit pour ça, on a un syndrome alvéolaire diffus, bilatéral. OK? Après ça, on voit près des images en lâcher de ballon, ou encore, on a l'image en tempête de neige d'Alred. OK? Avec des opacités micro-globulaires. OK? Et puis, ça va aboutir à un poumon qui cabine de plus en plus blanc. OK? Et c'est ça, lui, on montre nous là. Ou des fameuses images en vert dépoli. OK, donc ça c'est le syndrome respiratoire. Gon l'autre syndrome qui pral vini, et syndrome ça li gon ti particularité pour Haïti. Ce sont les manifestations neuropsychiques. Moun nan agité, la pompé, ou bien trouble de comportement, ça veut dire que moun après l'embray et li ka délirer. Et c'est ça très compliqué en Haïti, parce que automatiquement que ouais ça, bon, par exemple, on est qui casse ses fémurs, et puis brusquement mon après l'amour, il a déliré, il a dit oui
Mais il y a un tel, gon tête, sep, li gon kò serpent, et puis c'est tête li qui nan serpent là. Donc, automatiquement, que manifestation neuropsychique ça vini, ok, en Haïti, moun an pral penser que, waouh, gèlè yo vo, un bagay sou li, son mò yo voyé, ok, que son maladie qui pa pou docteur, son bagay mystique, et rien que ça. Si ou même ou pas que bon brain ou pas expliquer malade là, il y a tout aller avoir. Donc, manifestation neuropsychique là, ok, son problème en Haïti, et mon a arrivé jusque là, coma, avec un test cutané, nous ce qu'on dit, c'est Babinski bilatéral. Alors, le a fait rapport, ça m'a plus dit parenthèse, pas mettez comme mon a un Babinski négatif, non. Ok, le Babinski. Ok, on le note que s'il est positif, il ne peut pas être négatif. Et si on fait électroencéphalogramme, il joint un signe de souffrance diffuse. Ensuite, on va avoir une manifestation cutanée ou muqueuse. Bon, ça, on va comprendre ça, bien que par qui bon reste en passé, le reste en vini en bas peau, ou par une série de réactions parce qu'il est en bas peau. Et cutanée, c'est-à-dire que nous parlons de l'hôpital. Et dans le prochain slide, c'est quoi cutané? Ça, c'est les muqueuses. Se rappeler que les muqueuses, c'est l'épithélium qui se trouve à l'intérieur du corps. Okay? Donc, au niveau des muqueuses, nous parlons des pétéchies sous-conjonctivales et on dit que l'hypato-pato-pato-pneumonique. Pato-pneumonique, pardon. Okay? De pour elle. Mais malheureusement, les fugaces. Autrement dit, depuis le moment que vous avez un monde qui est fracturé au niveau du membre inférieur, okay? Le regard, la recherche de ces pétéchies sous-conjonctivales, parce que nous parlons de pétéchies cutanées, mais en Haïti, tout le monde pas clair de peau. Au contraire, il y a un paquet de monde qui est bien foncé ou qui a passé à côté de ça. Donc, seul côté ou qui a joint, c'est au niveau des conjonctives, donc ou râler géant, peau géant, ou râler en bas, ou dit mon gardé en lait. Si pas trop inconscient et puis nous parlons ok ti, nous parlons tiba et ça justement ok tiba est rouge ça que nous voilà là bien que rouge nous parlons bien mais ti point rouge ça que nous voilà ce sont justement des pétéchies sous-conjonctivales mais ou ka gen manifestation au niveau de la peau comme là ou gen au niveau du sein au niveau du cou, au niveau du tronc. Autre forme que nous avons, j'aime dire que nous devons parler en avant, c'est. Regarde, fait back. Je pose un mauvais bouton, désolé. Oui, autre forme que nous avons, c'est la forme fulminante. Ok, et ça, c'est lorsque nous avons un intervalle libre. Ok? Donc, rapidement, mon aller dans le pays sans chapeau. OK? Et leur fait autopsie, par Haïti, bon. Ils ouais que ont une embolie graisseuse massive des vaisseaux pulmonaires. OK? En passant, nous avons l'autre style de forme, ce sont les fameuses formes trompeuses. Dans fameux, dans les formes trompeuses, ou y a un syndrome qui est tellement prédominé, comme ou pas l'autre syndrome là, ou à penser à un autre bagaille ou pas penser à embolie graisseuse. Ainsi, second prédominance neurologique, comme sont accidentés, rappelons que embolie graisseuse dérivée lorsqu'il y a fracture, le plus souvent, quand il y a une fracture, ça peut être des accidents de la voie publique. Donc, lorsqu'on a des troubles neurologiques, on dit, ah, oh, mais quelle a frappé la tête? On va penser à un hématome exadural, ok, parce que justement, dans les formes trompeuses, j'en dis, ou bien prédominance de Young syndrome, qui fait que vous parlez plus orienté vers lui. Ou car il y a même problème pour la respiration, prédominance respiratoire, et à ce moment-là, on parle penser à un embolie pulmonaire ou un syndrome de Mendelssohn. Ok, embolie pulmonaire, nous parlons de ça dans la prochaine vidéo, hein, parce que c'est prochain. Complications que nous avons dans la fracture. Ensuite, nous avons l'autre forme qui est la forme fausse. La forme fausse, ok, ou pas même penser que mon réellement font complications, ok. Et ou hyperthermie, bon, des fois avec hyperthermie, on peut penser que le fait
on infection, donc le ça a la forme fruste, les plus après la forme et la forme trompeuse. Mais en fait, contre les formes fruste, c'est la clinique est très pauvre. Et si nous pas courir à regarder justement ce signe-là qui se retrouve toujours, les pétéchis, n'a pas passé à côté de diagnostic-là. Examen par la clinique, pas grand pile examen que nous avons fait, surtout en Haïti. Vous comprenez? Et je nous ouais, ok, et examen que nous avons, bon, nous avons un paquet là que nous n'avons pas fait. Ensuite, songez que examen ça, il n'est pas spécifique. Ok, cependant, un examen qui est très important, mais malheureusement, ok, il faut commencer. Insister ça dans la formation médicale, ok, c'est le fond d'œil. Fond d'œil là, il est très intéressant. Songez que tout le monde font hypertension, ok, pour qu'on ait état mon ça hypertension fait fond d'œil dans carbone, tout fond d'œil dans bon paquet de bagages. Donc le fond d'œil ou bien doit regarder et ou bien c'est le signe qu'on peut joindre altération de la myéline des fibres du nerf optique dans le territoire des capillaires obstrués. Bon, mettez ça, m'pap fin pour X, m'pap expliquer le même, ouais, m'just li, et puis m'outier comme tout doucement, parce qu'on connaît, c'est pas réellement une spécialité, non, donc on pas v'lé, v'lé trop réagir sous lit, et le ça m'a dit, tintin. Le traitement, bon, on a deux traitements, ok, ça pour guérir en voligraisseuse, graisseuse, bon, le tout est que la pontigène. Problématique et puis nous avons traitement préventif. Donc traitement curatif, bon, c'est réanimer le monde n'a pas respiré bien, bah, l'oxygène, et puis courir à l'opérer. Hein? Il y a quelqu'un conseil de l'hôpital, anesthésie, ça lui même les tout, il tout abdou, que le pas point car. Bon. Ok, ça continue pour être. Vous voyez, pour anesthésiste, ma m'tou campé là, m'a pas le pire ou un tout. Donc, traitement curatif, c'est pour un bagage qui réellement est sérieux. Mais, ça qui est sérieux, c'est le traitement préventif. Donc, faut ou opérer mouna rapidement, mouna pas supposé passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'hôpital avant l'opérer. C'est depuis l'arrivée, comme dit, depuis le chaud paré, donc, depuis le cuit, depuis le chaud tout. Depuis le chaud cuit, ok, donc depuis mon appareil, c'est rapidement opérer mon ok, et si mon ou cas ou gros choc traumatique, c'est relever choc là rapidement, ok. Alors, y a là, bon paquet de pour alésage, enclouage par alésage, ok, qui cabaye en boligraisseuse, donc pas qu'à en Haïti parce que la plupart de enclouage par alésage, l'autre bon, il fait à foyer fermé. Ok, ici en Haïti, comme nous faisons un foyer ouvert, 3 calandres restants, ok, ils tout sorti dans le champ opératoire, et puis nous l'avons fait. Donc, c'est ça qui fait que, c'est une raison pour laquelle que nous pensons que nous pas fait en pile en polygraisseuse en Haïti. Tandis que là-bas, toute balade est fermée, et l'homme était clouant, ou augmenté pression intramédulaire, et pression intramédulaire, ça, pour aller forcer graisse passer dans le veine, qui déjà bien l'ouvrir sous vide, qui n'attend que ça. Voilà, eh bien, c'est tout. C'était justement ça. Je devais parler avec nous. Et pour étudiants, ne pas oublier que sous groupe Lancounia, nous allons voyer PowerPoint ça. Et puis, pas courir dit nous encore chaque fois, même déposer par SAO. Me déposer une nouveau vidéo ou nous compte bagay là si vous besoin connaît si quelle autre vidéo qui vini que ce soit sur Facebook que ce soit sur YouTube just liker de vous nous liker chaque fois me déposer une vidéo n'a pas compte ça. OK, alors au revoir tout le monde et à la prochaine.